Alors, pour cette rencontre aujourd'hui, nous aurons le plaisir de dialoguer avec Yann Battens. Je suis très, très heureux de pouvoir vous présenter Yann Battens ce soir. Merci, Yann, déjà d'être parmi nous ici à la Maison de la Francité. Alors, je vais essayer de brièvement vous présenter. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on va voir que Yann Battens a finalement un parcours plutôt atypique, mais néanmoins, et on le verra, assez homogène, assez structuré finalement, cohérent au-delà des diverses activités que vous poursuivez. Alors vous êtes professeur à l'université de Leuven, vos centres d'intérêt tournent principalement, et vos centres de recherche tournent principalement autour des rapports entre l'image et le texte. Hein. On va parler ce soir également de bande dessinée, de romans graphiques, de romans photo, de novélisation, des termes qu'on redéfinira peut-être. On vous doit notamment un essai à propos de la novélisation paru aux Impressions Nouvelles en 2008. Impressions Nouvelles qui est une maison d'édition bruxelloise, créée notamment par Yann Battens, avec la collaboration de Benoît Peters, qui vous dit peut-être quelque chose. Voilà, mais vous avez, disons, co-animé et co-initié cette maison d'édition Impressions Nouvelles, qui est une maison d'édition bruxelloise, avec Benoît Peters, que vous connaissez sans doute comme biographe de Derrida ou de Paul Valéry, mais aussi comme scénariste de la bande dessinée Les Cités Obscures, avec Françoise Keuten. À côté d'ouvrages de théorie et d'essais, hein, je pense à un livre Hergé Écrivain, aussi paru chez Flammarion, on vous doit une dizaine de recueils de poésie en français. Et à ce titre, vous recevez d'ailleurs en 2007 le prix triennal de poésie de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pelsiné, pour le recueil 100 fois sur le métier. On y reviendra évidemment, même si vous avez beaucoup parlé de ce choix de langue, mais on y reviendra par rapport à la contrainte. Alors la contrainte, justement, c'est un sujet aussi qui vous intéresse en littérature. Je pense évidemment à la veine de l'Oulipo, hein. On pense à Perec, Queneau, etc. On y reviendra également, puisque vous co-dirigez depuis 1998 également cette revue importante en la matière, la revue Formule. On en dira peut-être un petit mot également. Et enfin, signalons que tout récemment, l'année passée, vous avez reçu le prix Elie Rodenbach, alors, qui est un auteur apparenté à Georges Rodenbach, qui couronne l'œuvre du meilleur poète flamand d'expression française. Voilà. Donc, vous voyez que c'est déjà pas mal comme pédigré, et donc il y a beaucoup de choses à développer. Moi, je voudrais peut-être, Yann Battens, qu'on commence par évoquer cet intérêt pour la littérature de contrainte ou les littératures à contrainte, dont cette revue que vous co-dirigez, revue Formule, se fait l'écho. Est-ce qu'on peut peut-être donner, comme ça, globalement, une définition de la littérature ou des littératures à contrainte, donner quelques éléments pour la situer un peu, et puis peut-être nous dire d'où vient cet intérêt chez vous pour ce type d'écrit de littérature. Je vais commencer par répondre à la deuxième partie de votre question, mais avant de le faire, je voudrais vous remercier de l'invitation que vous m'avez faite à intervenir dans le cadre de la Maison de la Francité, dans ce cycle de dîners littéraires. Et merci à vous aussi de, ben, finalement, de vous être déplacé pour venir nous écouter. Donc, j'ai commencé par la fin et puis je remonte en amont. Qu'est-ce qui m'attire dans les littératures à contrainte ou dans l'écriture à contrainte, dont je vous donnerai une tentative de définition? En partie, c'est un choix négatif. Je veux dire par là que la littérature à contrainte est d'abord une forme d'écriture qui rejette les formes traditionnelles de l'expression littéraire, qui s'appuie essentiellement sur, deux éléments que les littératures à contrainte rejettent
catégoriquement, c'est-à-dire l'expression de soi. Ma devise personnelle, c'est celle d'Épicure, cache ta vie. Donc, pas la peine de me poser des questions personnelles, je n'y réponds pas. Donc, bon, je suis prêt. Rejet de l'idée enfin, que la littérature serait un moyen d'extérioriser ses pensées, ses sentiments, etc. Nous, auteurs à contrainte, nous pensons que c'est la voie royale du cliché et du stéréotype, lorsqu'on pense s'exprimer personnellement, ce qu'on fait au fond, c'est reproduire tous les clichés, tous les stéréotypes qui nous rongent dans notre cerveau. Et ce qui est rejeté également, c'est l'idée que la littérature serait, enfin pour citer Stendhal, que j'admire beaucoup, et soit dit entre parenthèses, que la littérature serait ou devrait être le miroir qu'on promène le long de la rue ou le long du chemin. C'est-à-dire l'idée que la littérature doit servir essentiellement à servir de reportage littéraire, ou sert essentiellement à reproduire, à documenter un état de la société. Tout cela nous paraît appartenir au passé. Et la littérature à contrainte est une des réponses possibles à cette sclérose d'une idéologie, d'une littérature, de l'expression et de la reproduction ou représentation. Alors, qu'est-ce que c'est que la littérature à contrainte? En fait, c'est une démarche artistique qui, au lieu de faire confiance à l'inspiration, fait plutôt confiance à la sueur et à l'effort. C'est-à-dire qu'on commence par réfléchir sur ce qu'on aurait envie de faire, ou sur ce qui serait nécessaire qu'on fasse. Et pour mettre en marche le processus créateur, on commence par se doter d'un certain nombre de règles librement choisies. Quand on dit règles, on n'entend pas du tout, règles telles qu'elles nous sont imposées par la langue ou par certaines conventions, sont des règles aussi, mais des règles librement choisies, si possible des règles plus ou moins originales. Il ne s'agit pas de refaire encore une fois le sonnet classique, même si aujourd'hui plus personne n'en fait. Et c'est nettement plus difficile qu'on le pense. Donc, de préférence, des contraintes un peu originales et par-dessus le marché, pas trop facile non plus. Vous venez de donner l'exemple de Pérec. Tout le monde pense évidemment à La Disparition, donc le roman sans eux. Mais cette technique s'appelle l'hypogramme. L'hypo du verbe grec lipen signifie abandonner, exclure, etc. Donc lorsqu'on fait un texte en s'interdisant d'utiliser telle ou telle lettre, on fait un lipogramme. Mais en français, il n'est pas difficile de faire un lipogramme en K. Donc ce n'est pas une bonne contrainte parce qu'elle est trop facile. Le E de Donc, ça c'est une, plus compliqué. Une bonne contrainte est une contrainte relativement originale. Une contrainte relativement compliquée, mais pas trop compliquée non plus. Bref, une contrainte qui permette de faire surgir des idées auxquelles on n'aurait pas pensé sans elle. Ça, c'est un peu le principe de base. J'ai fait le choix du français parce que c'est une contrainte, donc ça colle bien à ma façon, voilà. Disons... Je parlais de cohérence, justement. Voilà, oui. Mais la première motivation, c'est mon amour du français, bien entendu. Oui. Mais ça tombait bien. En plus, c'est une contrainte. Voilà. Alors, cet intérêt pour la contrainte, elle s'assouplit un petit peu au fil des recueils. Où on trouve, on en parlera tout à l'heure, dans, notamment le dernier recueil, Ce Monde, paru l'année dernière, où il y a une poésie peut-être plus en prise justement avec un réel, avec avec le monde, c'est le cas.
Mais donc, vous avez conservé cette langue française, même au-delà, effectivement, de la contrainte. Cela dit, et vous le rappelez également dans cet article important, que vous restez attentif aussi à tout ce qui se fait, bien sûr, du côté néerlandophone, par exemple en poésie, très important, et peut-être même plus motivant pour vous dans l'écriture que les catégories de poésie française contemporaine, où on a une poésie souvent philosophique ou peu en prise justement avec le réel. Il y a certains auteurs, bien sûr, on pense à Jacques Darras, qui lui, dont vous êtes plus proche sans doute, Jacques Darras qu'on avait reçu ici aussi. Donc vous restez attentif évidemment aussi à ce qui se déroule, à ce qui s'écrit. Oui, enfin je suis un lecteur vorace. Je demande toujours à mes étudiants de lire au moins un livre par jour. C'est pas impossible, enfin ils perdent leur temps avec des conneries enfin innommables, donc autant lire. Et c'est un peu le programme existentiel que je me suis imposé, tenter de lire un livre par jour. Je ne plaisante pas, hein. Donc je lis énormément, je m'intéresse à tout. Je lis des choses dont vous auriez peut-être honte si on vous découvrait en train de les lire dans le train, nous deux par exemple. Je suis un grand fan du roman photo. Oui, enfin, vraiment, je pourrais vous le prouver. Mais je lis en même temps, souvent littéralement en même temps, du roman photo, du Mallarmé, de la poésie néerlandophone. J'ignore tout de la, disons, de la littérature néerlandaise, enfin, en langue néerlandaise, en prose. Je suis uniquement la poésie, mais je lis dans toutes les langues que je connais plus ou moins. Je tends d'être aussi ouvert que possible à tout. Alors, vous parlez effectivement de cet amour et de cette passion, d'une certaine façon, pour le français et pour des textes en français, importants pour vous, hein. Queneau, Paul Jean Toulet, Ponge aussi. Mais si vous deviez citer quelques noms de d'autres littératures, je pense par exemple à, est-ce que Kafka est quelqu'un d'important pour vous, par exemple, dans la démarche d'écriture de poèmes? Non. Kafka. Non. Évidemment, j'ai lu tout. Enfin, j'ai lu les grands textes de Kafka. Mais c'est un auteur dont je ne sais pas. Enfin, non, il ne fait pas, disons, partie de... De votre famille littéraire. Non, il n'y aurait pas de place pour Kafka dans ma bibliothèque idéale, disons. Pas parce que je n'aime pas Kafka, mais parce que c'est un auteur qui ne me fait pas écrire. Alors que les auteurs que j'aime bien, et dans le monde, enfin, dans ce monde, il y a un dialogue implicite ou explicite avec le poète américain John Ashbery, dont je me sens extrêmement proche, et que j'ai essayé, disons, de plagier dans ce monde. Et j'explique comment je l'ai fait, puisqu'il y a plage. On peut voler. Non, Oscar Wilde disait « Les mauvais écrivains plagient, les bons écrivains volent. » Donc j'ai essayé de voler aussi bien que possible. Donc Ashbery, oui. Oui, la littérature anglo-saxonne peut-être. Oui, 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 oui. William Carlos Williams, voilà, Stevens, enfin les grands poètes classiques américains du 20e, oui, certainement, Zhukovski, qui a inventé en quelque sorte ce que tout le monde est en train de faire maintenant, c'est-à-dire le mash-up, le sampling. Il faisait déjà cela dans les années 30, avec un livre qui a été
enfin son livre le plus connu et qui est absolument remarquable, s'appelle Témoignage. C'est un remontage de, enfin de d'extraits de procès. C'est absolument, enfin c'est ahurissant de redécouvrir cela aujourd'hui. Oui, donc les grands Américains dont j'aime beaucoup le côté, ben disons sans chichi. Et quand je dis sans chichi, je veux dire sans surmoi philosophique, qui est un peu ce que je reproche beaucoup à la poésie, non pas francophone, mais hexagonale. Hexagonale. On n'a pas du tout cela en Belgique. La Belgique aussi, c'est beaucoup... Enfin, c'est sans chichi aussi. Mais je n'aime pas la poésie ou les poètes qui se prennent pour des philosophes, ni inversement. Comme disait Valéry, que j'admire beaucoup, disait, bon, les poètes qui veulent faire de la philosophie, c'est comme des joueurs de... Enfin, des joueurs qui confondent les échecs et les dames, ou qui mélangent les deux. Non, il faut... je pense que la poésie n'a absolument rien à gagner à vouloir se transformer en philosophie. Juste encore un petit mot, dans beaucoup de vos recueils, il y a une introduction aussi, une sorte de préface, d'introduction qui éclaire ou donne quelques éléments de compréhension peut-être pour rentrer dans le livre. Ici aussi, il y a une référence, alors là, à la BD, donc on vire tout doucement vers l'image, cette BD de Munoz et Sampaio, le poète. On peut peut-être redire un petit peu la trame de l'album. Justement, c'est la ville de Buenos Aires, en Argentine, élit chaque année un poète municipal. Et c'est quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui fait rêver tous les poètes locaux, puisque une fois qu'on a été élu poète municipal, on est subventionné pour le reste de sa vie. Et donc, cette bande dessinée raconte l'histoire d'un poète qui, par hasard, est élu ou vient d'être élu poète municipal. Et on raconte, enfin, Munoz et Sampaio raconte non pas, disons, ce qu'il a fait, donc sa production littéraire, mais il raconte ce qui se passe après. Et donc, la première chose, il passe son temps à s'enivrer, à aller au bordel, à faire tout ce qu'on n'attend pas de lui. Et donc, il arrête complètement la littérature. Il dit maintenant, c'est la belle vie. Et voilà à quoi mène la poésie professionnalisée. Il paraît que c'est... Je ne suis jamais allé en Argentine, mais on m'a assuré que c'est authentique. Qu'apparemment, l'Argentine est un pays littéraire. Après tout, c'est aussi le pays de Borges. C'est un pays littéraire qui fait beaucoup pour soutenir la production, apparemment encore plus que le Québec. Et on sait les ravages que provoque la sursubvention de la littérature au Québec. Je profite de la perche que vous me tendez pour faire un peu de publicité pour un petit livre qui va apparaître l'année prochaine aux éditions du Lombard, dont je viens terminer le scénario, et qui un petit volume qui se fera en collaboration avec le dessinateur Johan de Moor, un volume de la collection BD Tech, une sorte de que sais-je, mais sous forme de bande dessinée, dirigé par nos amis du Lombard, et dont le thème sera justement le roman photo. Et si le roman photo, enfin, le roman photo est à la fois un genre, enfin, méprisé, mal vu, etc., qui paraît un peu poussiéreux, qui survit péniblement, etc., etc. Mais en même temps, c'est aussi un média extrêmement moderne, qui est en train de réapparaître
de 36 façons différentes grâce à Internet. Et si vous voulez, par exemple, savoir ce que c'est, abonnez-vous à, sur Instagram à quelque chose qui s'appelle le Café Matinal. Et le Café Matinal, c'est un roman photo hebdomadaire, c'est une sorte de feuilleton. Tiens, ça pourrait vous donner des idées aussi. C'est fait par une amie qui s'appelle Lia Paris et qui a commencé par faire une sorte de version roman photo de Sex and the City. Ah, ça, voilà. Tout le monde connaît. Ouais. Voilà. Donc, elle a refait ça avec ses amis, mais sous forme de roman photo. Ça n'avait pas trop bien marché. Mais la formule actuelle qu'elle est en train donc d'explorer marche comme, enfin, c'est un succès foudroyant. Et le principe est très simple. Chaque semaine, elle rencontre dans un café différent à Paris, à chaque fois un café différent. Elle rencontre, enfin, quelqu'un de son âge. Et elle m'a fait comprendre que je suis beaucoup trop vieux pour être interviewé par elle. Donc, elle rencontre quelqu'un, disons, de branché, hein, quelqu'un dans le vent, quelqu'un qui, enfin, dans la restauration écologique, enfin, quelqu'un dans la mode, enfin, des trucs comme ça. Et donc, elle s'entretient avec cette personne. Le tout est documenté sous forme de roman photo. C'est diffusé gratuitement si vous êtes abonné à cela sur Instagram. Et elle est maintenant en train de faire des démarches pour faire, enfin, sponsoriser tout cela par Lavazza. Ce qui me paraît une très très bonne idée. Donc elle est vraiment en train d'inventer, de créer son propre job. Et c'est quelqu'un de... Enfin, elle connaît apparemment tout ce qui est dans le vent à Paris. C'est étonnant. Café Matinal. Café Matinal. Vous travaillez aussi, parfois en collaboration avec des illustrateurs ou des graveurs. Je pense à ce texte, Autre Nuage, hein, qui est illustré, enfin, ou un travail avec les gravures d'Olivier Depré. Donc là, il y a aussi une sorte de dialogue. Olivier est un ami, enfin, de très longue date. On a fait connaissance au début des années 90, quand il était vraiment, quand il n'avait encore rien publié. Je ne sais plus du tout. On a fait connaissance à l'endroit le plus improbable du monde, où en principe ni lui ni moi ne mettons les pieds, ben, le musée de la BD. Mais je m'en souviens très bien, donc c'est là qu'on a fait connaissance, on a tout de suite sympathisé. Olivier était un membre du groupe, à l'époque c'était Fréon, aujourd'hui c'est Frémoc. Il habite maintenant près de Montpellier en France, mais on est restés très proches l'un de l'autre. J'écris quand même beaucoup sur son travail et on a fait effectivement plusieurs livres à quatre mains, dont un livre sur la construction du TGV en Belgique. J'aime beaucoup ce genre de sujet hyper poétique. Et c'est un petit livre dont je suis toujours très fier. Et donc, j'aime beaucoup. Olivier est un graveur sur bois. Très inspiré aussi, disons, de la tradition belge de la gravure sur bois avec Mazerail, essentiellement Mazerail. Et donc, c'est là aussi une belle... Enfin, la preuve que certaines techniques qui paraissent un peu, enfin, surannées, vétustes, disons artisanales, mais au sens peut-être négatif du terme, ont un avenir et peuvent, disons, rencontrer, disons, des formes plus contemporaines. Et il en va de même, je crois, pour le roman photo. Mon grand rêve, je ne voudrais pas mourir sans avoir fait au moins... en collaboration avec un photographe, je regarde déjà à ma gauche, oui, un roman photo, par exemple sur la BD. Alors, là on a parlé de cercueil, mais on le disait tout à l'heure, la poésie de Jan Battens, délaissée
peut-être la contrainte pour arriver à ce dernier recueil aux Impressions Nouvelles Paris de l'année dernière, Ce Monde, qui là est un travail peut-être de plus grande ampleur, un travail de poésie, on pourrait dire presque épique, une sorte d'épopée, retraçant un petit peu ce monde qui avance de manière imperturbable, et puis nous qui sommes là, mortels. Donc là, il y a un travail peut-être plus de prise du réel, quoi, de ce monde qui avance. Ce monde. Absolument, mais c'est un monde, disons, sans je. C'est pas sur moi, c'est sur ce monde. Oui, c'est effectivement une épopée, mais une épopée sans récit. Donc, il ne s'agit pas de poésie narrative, mais... oui, en fait, c'est une réflexion sur un thème un peu triste, qui est le vieillissement. Donc, de ce point de vue-là, c'est hyper autobiographique. puisque j'aurai bientôt 3 fois 20 ans. Et ça m'a donné quand même un petit choc. Et donc, ce monde est une réflexion sur cela. Quelques 40 pages de ce monde sont en quelque sorte sorties de ces 3 vers de John Ashbery, où il dit que, au fond, je paraphrase, il faut le lire évidemment en anglais puisque c'est tellement beau, c'est à la fois très simple et très beau, et très juste, très, très rythmique aussi. Il dit plus ou moins que tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, ou rien de ce qui est vieux ou ancien ne peut accepter ce qui est jeune et nouveau. C'est une pensée très profonde qui va tout à fait à l'encontre de tout ce qu'on dit sur la solidarité entre générations, etc. etc. Non, non. Les vieux veulent étrangler et tuer les jeunes. C'est ce que disait Ashbery quand il avait 25 ans. Alors, je voudrais vous lire un extrait avant de tout doucement acheminer vers le repas. Alors, c'est le troisième fragment. Ce monde, un manteau qu'on rejette au moindre froid et quand il nous irrite, à l'approche d'autres mondes, nous sommes un œil impossible à fermer. Une aiguille le perce, il en coule de l'image. Voilà des villes portuaires, clous rivés dans la carte de l'océan. Leurs noms, des taches de rouille qui dessinent les vagues. Les poissons sur le papier fouillent l'eau qui fouille un monde nouveau, encore plus ancien que ce monde vieux. Avec des rivières grandes comme des serpentières, levées lourdes entre volcans et éruptions, des incises plus lourdes que l'air et des peaux, des coutures pour toutes couleurs. Rien n'est fait pour les carrefours. Les crevasses de passage ne disent pas comment mettre un pied devant l'autre. Il n'existait pas la croix qui n'aura pas existé demain. Penche-toi sous la table, un monde file de bas en haut. Quelle bête idée de descendre dans ce monde, de brûler ses vaisseaux pour se chauffer en pleine mer. On arrive trop tard pour le changement de décor. Pas d'arbres, pas de sol. Deux mondes sur la même branche, on ne sait lequel est impénétrable. Comme deux qui parlent, mais la même langue. Comme deux qui couchent dans les mêmes lits, des mêmes fleuves, qui parlent et dorment entre eux, entre deux couches géologiques. Entre le temps qui rentre dans une leçon de géologie, t'en souvient-il ? Un soir, au sortir du monde, le monde se fait accoster. Il fait nuit noire, il est coincé, il se laisse visiter. Moitié fatigue, c'est tout, moitié pitié. Elles sont partout, les mains, les bagues, les pièces, mais seules comme des étoiles, et il n'y a pas de remède à l'or qui jaunit. Dans ce bouge, tout le monde vient se faire tirer les cartes. Le blanc, c'est le noir sans feu. Les mains, le manche des lames. L'arcane, je coupe, impair, je retourne. C'est le monde qui sort. La meilleure carte avec le soleil. La perfection, même tirée à l'envers. Arrêtons-nous ici. Dressons notre tente près du monde étalé sur la table. Voilà ce que peut donner l'écriture de Jan Battens dans ce recueil paru l'année dernière. Où effectivement on a un autre travail, quoi, sur la langue, sur cette langue française que
on peut dire vous maîtrisez pas mal. alors, juste peut-être avant de passer à table, les projets de Jan Battens. Alors, il y a plusieurs choses. On a parlé du volume sur le roman photo dans la petite BDTech des savoirs. Qui serait déjà sorti si le collaborateur n'avait pas été Johan de Moor. Je ne m'en plains pas, hein. Je suis absolument ravi de collaborer avec lui. Il y a un livre qui sortira, enfin qui vient de sortir, qui sera en librairie le 2 juin. C'est un essai, de nouveau relativement polémique, un essai sur, mais en fait contre, la lecture publique de poésie. Mais c'est bien, oui, mais attention. Attention, je dis. Contre les poètes qui lisent leurs propres textes. Non ? Non ? Allez, j'essaie de quand même. Non. L'entretien est fini, donc je ne vais pas vous embêter avec cela. Enfin, le livre sera disponible dans. Mais c'est. J'espère. Enfin. Mon livre contre la poésie dite minimaliste m'a fait beaucoup d'ennemis. J'espère que celui-ci me fera haïr de tout le monde. Cela dit, c'est vrai que depuis quelques années, avec le marathon des mots, il y a eu beaucoup, effectivement, de lectures, de comédiens lisant des textes. Ouais. Et c'est vrai que. Non, le problème est double. Je simplifie, je résume, d'une part, la plupart des textes poétiques modernes ou contemporains, la modernité, pour moi, commence avec Mallarmé, pensez au coup de dé, essayez de lire le coup de dé à voix haute, c'est pas donné. Ça existe et vous trouvez sur YouTube des tentatives de lire le coup de dé à voix haute, j'aurais honte à la place de ces gens-là, mais bon. Donc, il y a beaucoup de textes qui ne sont absolument pas pensés pour une lecture à voix haute, mais qu'on est obligé quand même de produire sur scène. Et c'est rendre un très mauvais service à la poésie que d'obliger les poètes à ou d'autres à lire ces textes sur scène. Il faut les lire noir sur blanc dans le livre. D'une part, et d'autre part, on dit toujours que c'est une des stratégies à suivre ou à adopter pour que la poésie puisse retrouver un public. Bon, c'est une farce. C'est les gens qui viennent écouter de la poésie 9 fois sur 10, c'est pas. Je connais quand même un petit. Je connais le milieu, le petit milieu, le grand milieu, en Belgique, en France. Non, les gens ne sont pas là pour écouter de la poésie. Les gens sont là, pour se faire voir des autres, pas pour écouter les poètes. Et B, il y a le côté people de la littérature qui m'agace à un point que. Donc, à bas les lectures publiques de poésie. parce que il y a quand même quelque chose de bizarre. C'est des spectacles qui attirent un monde fou. Un monde fou. Par exemple, dans le circuit flamand, il y a plusieurs associations qui organisent cela et qui remplissent les grandes salles. Donc, il y a un monde fou. Et en même temps, il n'y a plus personne qui accepte d'acheter tout simplement un recueil de poésie. Les miens coûtent 10 euros, 11 euros, c'est beaucoup. Peut-être, je n'en sais rien, mais donc, si les lectures publiques de poésie devaient vraiment, rencontrer le but ou produire l'effet qui, soi-disant, est le leur, à savoir gagner un nouveau public pour la poésie, c'est foutu, c'est foutu. C'est absolument... Il faut
apprendre aux gens à lire dans le texte. Enfin, j'ai dit mille et une autres choses. Vous allez vous marrer en lisant. C'est très méchant. Et comme je ne dis jamais moi, j'aime bien donner la parole aux écrivains même qui, eux, ne se gênent pas pour dire beaucoup de mal de tout cela. Tout le monde dit la même chose, c'est-à-dire, on s'emmerde. Enfin, on ne le dit pas comme ça, on le dit... On met une cravate pour le dire, mais le message est clair.